السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين J'évoquais le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Et j'évoquais aussi les batailles menées contre les hypocrites et les opposants immédiatement après le décès du saint prophète Mohammed peace be upon him. J'avais aussi mentionné à cet égard la bataille menée par Khalid bin Walid contre Moussaïlama le menteur. On trouve mention de la bravoure des différents porte-étendards des musulmans. Thabit bin Qais portait le drapeau des Ansar. Et Zayd bin Khattab portait le drapeau des Muhajirin. Zayd bin Khattab a déclaré aux soldats, soyez fermes et attaquez l'ennemi et avancez. Ensuite, il a ajouté, par Allah, je ne prononcerai pas un mot à moins qu'Allah ne les vainc ou que je ne parte à la rencontre d'Allah et que je lui présente mes arguments. Et Zayd bin al-Khattab est aussi tombé en martyr. On dit à propos de Zayd bin al-Khattab qu'il était le demi-frère d'Omar bin al-Khattab. Il était parmi les tout premiers musulmans. Il avait participé à la bataille de Badr et à d'autres campagnes par la suite. À l'époque de l'immigration, le saint prophète Mohammed peace be upon him lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Ma'an bin Adi Ansari, et tous deux sont tombés en martyr lors de la bataille de Yamama. Khalid a organisé l'armée lors de la bataille de Yamama, et il a choisi Zayd bin al-Khattab, le commandant d'une partie de celle-ci, et lui a confié le drapeau des Muhajirin dans sa main. Il a continué à avancer avec le drapeau et il a combattu avec beaucoup de zèle jusqu'à tomber en martyr, et le drapeau est tombé. Salim Mawla Abi Huzaifa radhiyallahu anhu a pris le drapeau. Dans cette bataille, Zayd a tué le bras droit de Moussaïlama. Il s'agissait d'un cavalier courageux nommé Rijal bin al-Anfoua. Et c'était un certain Abu Maryam Hanafi qui a tué Zayd bin al-Khattab. Ce même Abu Maryam Hanafi est devenu musulman par la suite. Une fois, le calife Omar radhiyallahu anhu lui a dit, « Tu as tué mon frère. » Il a répondu, « Ô émir des croyants, Allah l'exalté a honoré Zayd de par mes mains
Et Allah ne m'a pas déshonoré de par ses mains. En d'autres termes, il est tombé à martyr. Et si j'avais été tué par Zayd, j'aurais connu une mort humiliante. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion d'embrasser l'islam. Abdullah bin Omar, le fils d'Omar bin al-Khattab, était également présent à la bataille de Yamama. Après son retour à Médine, Omar bin al-Khattab, meurtri par la tristesse du décès de son frère, lui a dit ceci. « Pourquoi es-tu revenu quand ton oncle Zayd est tombé en martyr ? Pourquoi ne m'as-tu pas caché ton visage ?» Quand la nouvelle de la mort de Zayd est parvenue à Omar bin al-Khattab, il a dit que Zayd m'a surpassé dans deux vertus. C'est un récit que j'avais mentionné auparavant. Il a déclaré, il a embrassé l'islam avant moi et il est tombé en martyr avant moi. Malik bin Nawaira a été tué par Khalid bin Walid. Après son décès, son frère, nommé Mutamim bin Nouaira, a composé des vers sur la mort de son frère. Il aimait beaucoup son frère et il pleurait leur séparation et énonçait des vers à cet égard. Une fois, il a rencontré le calife Omar radiallahu anhu et il a récité la complainte au sujet de son frère. Omar radiallahu anhu a déclaré « Si j'étais un aussi bon poète que toi, j'aurais composé des vers tout aussi touchants que les tiens en hommage à mon frère. » Mutamim bin Nouaira a répondu « Si mon frère avait quitté le monde à la manière du vôtre, c'est-à-dire s'il avait connu le martyr, je n'aurais jamais exprimé de tristesse. » Omar radiallahu anhu a répondu « Avant toi, personne ne m'a présenté de si belles condoléances. » Omar radiallahu anhu disait « Quand souffle la brise du matin, je sens le parfum de Zayd. » J'évoquais donc la bataille de Yamama. Mousselama le menteur était toujours inébranlable et il était le centre de la bataille des infidèles. Khalid a conclu que la bataille ne prendra fin qu'avec la mort de Mousselama. En effet, lorsqu'on se bat contre les Banu Hanifa, la bataille ne les affecte point. La bataille n'affecte point les Banu Hanifa, c'est-à-dire la bataille n'affecte point les compagnons de Mousselama. Ils n'en sont guère affectés. Par conséquent, Khalid s'est présenté seul devant eux et il a lancé du slogan pour des combats individuels et il a lancé son slogan. Le slogan des musulmans était « Ya Muhammada ». Khalid a tué quiconque s'est avancé pour le combattre. Ensuite, les musulmans se sont battus vaillamment. Khalid a appelé Mousselama pour un combat individuel, combat qu'il a accepté. Khalid lui a offert certaines choses selon son souhait. Ensuite, Khalid l'a attaqué. Sur ce, Mousselama s'est enfui. Il s'est enfui, lui et ses compagnons. Ensuite, Khalid a dit aux soldats musulmans, « Ne soyez point négligents, avancez et ne laissez personne s'échapper. » Les musulmans les ont attaqués. Les compagnons ont fait preuve d'une patience et d'une persévérance sans précédent lors de cette bataille. Et ils ont continué à avancer vers l'ennemi jusqu'à ce qu'Allah leur ait accordé la victoire contre ses ennemis et que les mécréants ont pris la fuite. Les musulmans les ont poursuivis et les ont tués en frappant leur cou avec leurs épées, jusqu'à ce qu'ils soient forcés de se réfugier dans un jardin. Muhakim bin Tufail, un des chefs des Banu Hanifa, a dit aux fouilleurs, aux gens, « Entrez dans ce jardin. » C'était un très grand verger entouré de murs. Muhakim bin Tufail a commencé à combattre les musulmans qui poursuivaient des Banu Hanifa. Ce jardin était proche du champ de bataille et ce jardin appartenait à Mousselama.
Ce jardin portait le nom de Hadikatur Rahman, étant donné que Musalama s'appelait Rahman al-Yamama. Mais étant donné que de nombreux soldats ennemis sont morts lors de cette bataille, ce verger a été nommé Hadikatul Mort par la suite, c'est-à-dire le jardin de la mort. Musalama le menteur s'est également réfugié dans ce jardin avec ses partisans. Abdurrahman bin Abu Bakr a vu que Muhakim, l'un des chefs des Banu Hanifa, prononçait un discours virulent. Il lui a tiré une flèche et l'a tué. Les Banu Hanifa ont fermé la porte du jardin et les compagnons l'ont entouré des quatre côtés. Les musulmans ont tenté de trouver un endroit pour pénétrer à l'intérieur du jardin, mais il s'agissait d'un jardin fortifié. Leur recherche a été infructueuse. Bara bin Malik, le frère d'Anas bin Malik, avait participé à la bataille d'Uhud et à la bataille de la tranchée avec le saint prophète Mohammed Bissos à lui. Bara bin Malik était très courageux. Il a dit aux musulmans, « Aux musulmans, il n'y a qu'une seule solution. Jetez-moi à l'intérieur du jardin, j'entrerai et j'ouvrirai la porte. » Mais les musulmans n'étaient pas prêts à accepter qu'un de leurs plus éminents compagnons offre sa vie à des milliers d'ennemis. Ils ont refusé cette suggestion, mais Bara bin Malik a insisté et il a déclaré « Je vous demande par Allah de me jeter dans le jardin par-dessus du mur. » Finalement, les musulmans ont été contraints de le pousser le haut du mur du jardin. En escaladant le mur, quand Bara bin Malik a vu un si grand nombre d'ennemis, il s'est arrêté un instant. Mais ensuite, en prenant le nom d'Allah, il a sauté devant la porte du jardin et il a commencé à se diriger vers la porte en combattant et en tuant les ennemis. En fin de compte, il a pu atteindre la porte et il l'a ouverte. Les musulmans, quant à eux, attendaient que la porte s'ouvre. Dès que la porte a été ouverte, ils sont entrés dans le jardin et ils ont combattu les ennemis. Les Banu Hanifa ont fui devant les musulmans, mais ils n'ont pas pu sortir du jardin. En conséquence, des milliers de soldats ennemis ont été tués par les musulmans. Selon un autre récit, Bara bin Malik n'était pas le seul à sauter par-dessus le mur. De nombreux autres musulmans l'avaient escaladé et ils se sont tournés vers la porte. En combattant contre les apostats, les musulmans ont atteint Musalama le menteur. Il se tenait dans une brèche d'un mur. Il était comme un chameau gris. Il voulait escalader le mur pour s'échapper et il était fou de rage. Warshi bin Harb, qui avait tué Hamza lors de la bataille d'Uhud, s'est approché de Musalama et il lui a envoyé sa lance avec laquelle il avait tué Hamza. La lance a traversé Musalama de part en part. Abu Dajjana, Simak bin Kharisha, s'est précipité vers lui et il l'a frappé de son épée. Et Musalama est tombé sur le sol. Du haut du fort, une femme a crié « Au malheur, l'émir d'Ebo a été tué par un esclave noir. » La question est de savoir qui a envoyé Musalama le menteur en enfer. Baladri déclare que selon la tribu des Banu Amir, Khidash bin Bashir, un membre de la tribu, a tué Musalama. Selon un autre récit, Abdullah bin Zayd de la tribu Khazraj des Ansar avait tué Musalama. D'autres disent que c'est Abu Dajjana qui l'a tué. Muawiya bin Abu Sufyan déclare quant à lui que c'est lui qui a tué Musalama. Selon certains, il se peut qu'ils aient tous participé à sa mort. Selon certains ouvrages, dont Tabari, Musalama a été tué conjointement par un Ansari et Warshi. Warshi bin Harb relate ainsi la mort de Musalama. Il déclare « Après avoir tué Hamza lors de la bataille d'Uhud, je suis retourné avec les autres. Je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'islam s'y répande après sa conquête par le saint prophète Muhammad bin Sassoum. »
Par la suite, dit Wahshi, je me suis enfui à Taïf. Quand le peuple de Taïf a envoyé leurs émissaires à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on m'a dit que l'envoyé d'Allah ne faisait pas de mal aux émissaires. Ainsi donc, j'ai accompagné ces émissaires jusqu'à ce que j'atteigne l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a vu, il m'a demandé « Es-tu Wahshi ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Assieds-toi et dis-moi comment tu as tué Hamza. » J'ai expliqué les faits en détail au saint prophète Mohammed P.S.A.W. Quand j'ai terminé, le prophète d'Allah m'a dit « Est-il possible que tu ne te présentes pas devant moi ?» Wahshi déclare « Je suis parti de là. » Ensuite, quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé et que Muslima le menteur s'est rebellé, je me suis dit que je me battrai contre lui, peut-être que je pourrais le tuer et m'expier ainsi du meurtre de Hamza. Ainsi donc, je suis sorti avec les autres pour combattre Muslima et ses partisans. Ensuite, des événements célèbres ont eu lieu concernant cette bataille. Il déclare que soudainement, j'ai vu un homme, c'est-à-dire Muslima, se tenant près d'une brèche dans un mur. Il ressemblait à un chameau de teint basané et ses cheveux étaient tout ébouriffés. J'ai envoyé ma lance, l'enfonçant dans sa poitrine, jusqu'à ce qu'elle sorte entre ses épaules. Ensuite, un Ansari a sauté vers lui et l'a frappé d'un coup d'épée sur le crâne. Le rapporteur Suleyman bin Yassar a entendu Abdullah bin Omar qui disait que lorsque Muslima a été tué, une fille qui était sur le toit d'une maison a lancé. L'Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire Muslima, a été tué par un esclave noir. Il s'agit d'un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Wahshi déclare, Allah sait le mieux lequel d'entre nous, c'est-à-dire le compagnon Ansari ou Wahshi lui-même, lequel d'entre nous avait tué Muslima. Si je l'avais tué, en ce cas, j'étais celui qui avait tué le meilleur des hommes après le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, c'est-à-dire Hamza. C'était moi qui avais tué Hamza, le meilleur des hommes après le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. De même, j'ai tué le pire des hommes. Selon le récit du Sahih al-Bukhari, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit ceci à Wahshi. Est-il possible que tu ne te présentes plus devant moi? Dans son commentaire à Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb, écrit que le changement qui s'est produit chez Wahshi indique sa sincérité. Il voulait expier son erreur d'une manière ou d'une autre. Ainsi donc, il a réalisé son souhait et son vœu lors de la terrible bataille de Yamama. Shah Sahib écrit ceci. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui avait dit à Wahshi, « Est-il possible que tu ne te présentes plus devant moi ?» Ces paroles du saint prophète Mohammed P.S.A. lui démontrent une très haute qualité morale. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a exprimé son souhait à Wahshi en lui disant « Si cela t'est possible, ne te présente plus devant moi. » Ceci n'est pas un ton dictatorial, mais c'est une requête et cela démontre l'amour et le respect que le saint prophète Mohammed P.S.A. lui éprouvait à l'égard de Hazrat Hamza radhiyallahu anhu. Une personne vindicative aurait pu refroidir son cœur en se vengeant. Mais le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a fait preuve d'indulgence et a seulement souhaité qu'il ne se présente plus devant lui afin que le souvenir du douloureux martyr de Hamza ne blesse plus son cœur. La bataille de Yamama a été expliquée ailleurs et démontre le courage et la bravoure des musulmans. Une bataille féroce a eu lieu entre les deux belligérants, jusqu'à ce que de nombreux soldats des deux côtés ont été tués et blessés.
Malik bin Aws était le premier musulman à tomber en martyr. Parmi les musulmans, de nombreux Houffaz sont également tombés en martyr. Il y a eu une bataille féroce entre les deux armées jusqu'à ce que les musulmans rejoignent l'armée de Mousselema et que l'armée de Mousselema rejoigne l'armée des musulmans. Lorsque les musulmans se retiraient, ils avançaient pour pouvoir atteindre Mujahara. Salim Maula Abu Hudhaifa a creusé une fosse jusqu'à la moitié de ses jambes. Il portait le drapeau des Muhajirines. Et Thabit avait aussi creusé une fosse similaire pour lui-même. Ensuite, tous deux ont hissé leur drapeau et les soldats se sont dispersés. C'est-à-dire qu'ils ont creusé une fosse et ils se sont tenus à l'intérieur et ont hissé leur drapeau. Les autres se sont dispersés tandis que Salim et Thabit sont restés avec leur drapeau jusqu'à ce que Salim ne tombe en martyr et qu'Abu Hudhaifa tombe également en martyr. La tête d'Abu Hudhaifa était au pied de Salim et la tête de Salim était au pied de Abu Hudhaifa. Lorsque Salim est tombé en martyr, le drapeau est resté au sol pendant un certain temps. Personne ne l'a soulevé. Ensuite, Yazid bin Qais, un compagnon de Badr, s'est avancé et il a pris ce drapeau jusqu'à ce qu'il tombe lui aussi en martyr. Ensuite, Hakam bin Saïd bin As a pris le drapeau et il s'est battu toute la journée sous sa protection et lui aussi est tombé en martyr. Warshi déclare que la bataille était féroce. Trois fois, les musulmans ont dû battre en retraite et la quatrième fois, les musulmans ont lancé une contre-attaque et leurs pas se sont figés et ils se sont tenus devant les épées ennemies. Les Banu Hanifa et leurs épées les ont frappés, tant et si bien que j'ai vu des étincelles en sortir et j'ai entendu leur son de cloche. Allah nous a envoyé son aide et Allah a vaincu les Banu Hanifa et Allah a tué Mousselama. Warshi déclare, j'ai bien manié mon épée ce jour-là, tant et si bien qu'elle était couverte de sang jusqu'à la main. Ibn Umar déclare quant à lui, « J'ai vu Ammar grimper sur un rocher. Il lançait, « Ô musulmans, fuyez-vous le paradis. Je suis Ammar bin Yasir, venez vers moi. » Le narrateur déclare, « Je pouvais voir que son oreille était coupée et pendée. » Abu Khaisama Najari relate quant à lui, quand les musulmans s'étaient dispersés le jour de la bataille de Yamama, je me suis écarté dans un coin. Je pouvais voir Abu Dajjana. Son nom d'origine était Simak bin Kharasha et il était connu sous le nom de Abu Dajjana. Il était un célèbre compagnon qui avait participé à toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed bin Sassaloui. Et avant la bataille d'Uhud, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris une épée dans la main et a déclaré « Qui va respecter les exigences de cette épée ?» Abu Dajjana a déclaré « Je vais le faire. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a confié cette épée. Selon certains récits, il lui aurait demandé « Quel est le droit de cette épée ?» L'envoyé d'Allah a répondu « Cette épée ne doit tuer aucun musulman et ne prendre la fuite devant aucun mécréant. » Comme d'habitude, Abu Dajjana a noué un tissu rouge sur sa tête et s'est tenu fièrement entre les rangs. L'envoyé d'Allah, et ce soit lui, a répondu, « Bien que cette démarche déplaise Allah, il n'y a rien de mal à cela en pareille occasion. » Abu Dajjana a combattu vaillamment sur le champ de bataille et il a tué de nombreux infidèles et il a subi de nombreuses blessures en protégeant l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas quitté le champ de bataille. En tout cas, lors de la bataille de Yamama, Abu Dajjana a été attaqué par un groupe des Banu Hanifa. Les précédents incidents concernaient l'époque du saint prophète Mohammed bin Sassaloui. Que s'est-il passé à Yamama avec Abu Dajjana? On relate qu'un groupe l'a attaqué tandis qu'il brandissait son épée devant lui, à sa droite et à sa gauche. Il a attaqué un combattant et l'a jeté au sol. Il n'a prononcé aucune parole jusqu'à ce que ce groupe s'éloigne de lui et que les musulmans se sont rapprochés de lui.
les Banu Hanifa ont été vaincus et ils se sont enfuis dans le jardin. Les musulmans les y ont poursuivis et ils les ont forcés à se réfugier dans ce verger. Quand ils ont fermé les portes du jardin, Abu Jajana a déclaré « Placez-moi sur un bouclier et jetez-moi par-dessus le mur pour que je puisse entrer et ouvrir la porte du jardin. » Les musulmans ont suivi sa suggestion et ils ont atteint le jardin. Ils disaient « Votre fuite ne vous protégera pas de nous. » Il s'est battu férocement jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Le narrateur déclare « Nous sommes entrés dans le jardin et nous sommes arrivés auprès de lui lorsqu'il était déjà tombé en martyr. » Selon un autre récit, c'était Bara bin Malik qui a été jeté dans le jardin. Ainsi donc le premier récit, le récit concernant Bara bin Malik semble être plus précis. Ce récit comprend aussi de plus amples détails. En tout cas, je mentionnerai le reste la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous demande de prier en faveur du Pakistan, prier en particulier pour les Ahmadis. En général, la situation se détériore au Pakistan. Et lorsqu'il en est ainsi, eh bien, ils portent davantage leur attention sur les Ahmadis. L'opposition est en train de prendre de l'ampleur. Ils n'ont pas hésité à déterrer les vieilles tombes des Ahmadis. Il s'agit du pire catégorie d'individus, qu'Allah les attrape. De même, priez pour les Ahmadis de l'Algérie qui sont aussi en difficulté. Priez aussi pour les Ahmadis de l'Afghanistan. Qu'Allah les bénisse tous. Je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et je vais offrir leur prière funéraire après la salah. Le premier défunt est Mokaram Nassim Mehdi Saab, qui était missionnaire. Il était le fils de Mokaram Molana Ahmad Khan Nassim Saab. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était aussi moussi. Il s'était marié à deux reprises et sa première épouse était décédée. Il laisse derrière lui sa deuxième épouse. Et de chacune de ces deux unions, il a eu deux fils et une fille. Il est sorti diplômé de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa en 1976. Ensuite, il a servi au sein de l'Islah-o Irshad Maqami. Ensuite, en 1983, il a été envoyé en Suisse comme missionnaire, où il a pu servir la communauté. En 1984, il a été nommé Naib Wakil al-Tabshir. Pendant quelques mois, il a également servi comme le Wakil al-Tabshir par intérim. Il s'est rendu à Londres en décembre 1984 et il a également servi en tant que secrétaire privé du calife à Londres. Quelques mois plus tard, en 1985, il a quitté Londres pour se rendre au Canada. De 1985 à 2008, il a servi en tant que missionnaire et plus tard en tant que missionnaire en chef au Canada. Il a également servi comme l'émir du Canada durant cette période. De 2009 à 2016, il a également servi en tant que missionnaire en charge aux États-Unis. Par la suite, il est tombé malade et il a été réaffecté en Suisse. Mais il m'a informé que les médecins lui avaient recommandé d'éviter toute responsabilité lourde. Il a donc pris un congé indéfini. En tout cas, je lui avais écrit que si telles étaient les recommandations des médecins, il devra prendre soin de sa santé. On reprendra ses services quand il sera rétabli. Mais sa maladie s'est aggravée. Comme je l'ai dit, il s'est rendu au Canada en 1985. En 1986, la communauté au Canada a acheté un terrain de 24 acres pour la Mission House de Baitul Islam. Et ce terrain a été transformé en zone résidentielle.
De nombreux Ahmadis sont venus s'établir au Canada au cours de l'époque du défunt. Le défunt leur a accordé de grands soutiens. Beaucoup lui en sont reconnaissants. Il a informatisé le système de collecte de fonds et du Tajdid. Deux grandes mosquées ont été construites à Toronto et à Calgary au cours de son temps. Et différents centres ont été fondés dans d'autres jamaats à son époque. Je pense que la mosquée de Vancouver a aussi été construite à son époque. En tout cas, il y a ces deux grandes mosquées. La Jamia Ahmadiyya a été fondée au Canada au cours de son mandat en 2003 par la grâce d'Allah. Il a également accompli un excellent travail dans l'établissement de la station MTA de l'Amérique du Nord. Qu'Allah accepte toutes ses œuvres. Amatul Nasir Zahiba, son épouse, écrit ceci. En 26 ans de vie conjugale avec Nassim Mehdi Saab, eh bien, il m'a soutenu au cours de chaque épreuve. Il était un mari aimant et respectueux. Il était un père bienfaisant et un frère fidèle. Il éprouvait de la douleur à l'égard de l'humanité et il était obéissant et soumis au califat. Il était un homme bon qui avait une confiance entière en Allah. Son épouse ajoute, il était un serviteur désintéressé de la Jamaat et il traitait les autres avec amour. Il n'écoutait rien contre la Jamaat et il ne permettait à personne de critiquer la Jamaat devant lui. Il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité. Il portait une grande attention à la récitation du Darud Sharif. Quand il est parti pour l'Umra, je lui ai demandé quelle prière il avait récitée. Il m'a répondu qu'il s'est contenté de réciter le Darud Sharif. Sa fille Sadia Mehdi déclare, « Mon père se consacrait beaucoup aux prières. Chaque fois que je lui demandais de prier pour moi, il me recommandait de réciter le Darud Sharif. » Chaque fois qu'on lui demandait de prier pour quelque affaire, il recommandait toujours de réciter le Darud Sharif. Un jour, je lui ai demandé, « Vous dites toujours de réciter le Darud Sharif, pourquoi cela ?» Il a expliqué, « La plus grande prière est le Darud. Récite-le. S'il est accepté, toutes les prières seront exaucées. » Ismat Sharif Sahiba déclare, quant à elle, Mehdi Saab était mon beau-frère. Je l'ai côtoyé de près depuis 22 ans, il était très bienveillant, il était très amical. Il avait un grand respect pour le califat. Sa sœur déclare, lorsqu'il était en Suisse comme missionnaire, une jeune femme suisse qui était devenue Ahmadi est venue à Rabwa pour la Jalsa Salana de Rabwa. Elle est venue chez nous en disant « Je veux rencontrer la mère de Nassim Mehdi et je souhaite rencontrer la mère dont le fils est si intelligent qu'il a maîtrisé tant de langues en si peu de temps. Et il est très engagé dans la prédication et il le fait sans hésitation. Et il peut aborder tous les sujets avec une grande aisance. » Sa belle-fille déclare, il nous a toujours parlé de l'importance du Darud Sharif et de l'importance de faire accepter ses prières grâce au Darud Sharif. Il m'a dit qu'une fois, il faisait la queue dans l'aéroport et il a constaté que son passeport était expiré. Il a immédiatement commencé à réciter le Darud Sharif et il a continué dans la file. La personne au comptoir n'a même pas regardé le passeport et l'a laissé partir. Son gendre écrit ceci, «
Depuis que je me suis marié, il a toujours fait preuve d'amour et d'affection à mon égard. Il faisait le thé de ses propres mains et il s'asseyait avec moi après les prières de Fajr et il a récité quelque verset ou quelque incident du Saint-Coran et il me présentait son commentaire et il nous formait ainsi d'une manière très subtile. Sa fille Nawal Mahdi déclare, il prêtait une grande attention à la lecture du Saint-Coran. Il était un véritable amoureux du Coran et il nous conseille également de l'étudier attentivement et de tenter de comprendre ses sens. Il a déclaré que par la suite, vous allez voir la puissance d'Allah. Et il a ajouté, vous allez commencer à tirer le plaisir de lire le Saint-Coran. Le défunt accomplissait la prière de tahajjud très régulièrement. Sa posture debout, ses inclinations et ses prosternations lors de la salat étaient très longues. Il était très ému lorsqu'il accomplissait la salat. Il enseignait le Saint-Coran durant le Ramadan et il préparait ses notes avec beaucoup d'attention. D'autres personnes ont dit la même chose. Il avait l'habitude d'expliquer l'essence des mots difficiles du Saint-Coran et il avait l'habitude de mentionner des mots similaires pour faciliter la compréhension des gens. Lal Khan Saab, l'émir de la Jama du Canada, déclare « J'ai longuement travaillé avec le défunt qui a servi en tant qu'émir et missionnaire en charge de la Jama du Canada. » J'ai travaillé avec lui depuis 1987. Allah lui avait doté de nombreuses grandes qualités, des qualités qu'il a utilisées au service de la Jamaat. Allah lui a accordé la capacité de se faire des amis et de maintenir ses liens d'amitié et d'utiliser ses relations au profit de la Jamaat. Il a développé un lien personnel avec diverses personnalités de la société canadienne et leur a présenté la Jamaat. Par la grâce d'Allah, il était très apte à cet égard. Il établissait une relation très bonne et profonde avec ses contacts et ces derniers ont également maintenu cette relation. Des personnes externes à la Jamaat ont également présenté leurs condoléances suite à son décès. Lal Khan Saab ajoute, Allah lui a confié la responsabilité de guider et d'aider les individus et les familles venant du Pakistan et d'ailleurs. Il avait établi des liens d'amitié avec les membres de la Majlis e Amla. Lal Khan Saab déclare, j'ai pu servir sous son émirat pendant environ 20 ans. Pendant cette période, il ne m'a jamais laissé sentir que j'étais son subordonné, étant donné qu'il était l'émir. Il m'a toujours traité comme un ami. Le docteur Aslam Daoud Saab écrit, Nassim Mahdi Saab a reçu la médaille de l'Ordre de l'Ontario en 2009. Il s'agit de l'honneur le plus prestigieux de la province décerné à n'importe quel citoyen. Ce prix est décerné pour des réalisations et des services exceptionnels dans n'importe quel domaine. Il ajoute, quand le défunt a été affecté aux États-Unis, je l'ai rencontré une fois lors de l'Ajlsa Salana. Il m'a conseillé de faire de mon mieux pour servir autrui, vu ma position d'émir. Chaque fois qu'un membre de la Jamaat vient te demander de l'aide, aide-le et ne le repousse jamais. Fais ce que tu peux pour eux. Parfois, certaines personnes ne parlent pas correctement. Même en ce cas, il faut les aider discrètement après s'être renseigné sur leur situation. Lal Khan Saab déclare, je l'ai toujours vu aider les nécessiteux, et ce de manière très discrète, afin que ces derniers ne soient pas embarrassés. Shakur Saab est un missionnaire de la communauté. Le défunt m'a prodigué tant de conseils, et parmi ces conseils qui m'est venu à l'esprit, il y a le fait que durant mes premières années à la Jamia, peut-être au cours de la deuxième année, une fois, je suis venu à la mosquée avec des pantoufles.
Et il m'a dit, un waqf de la communauté doit être toujours prêt en quittant sa maison, afin que lorsqu'il reçoit un ordre, il soit prêt à l'exécuter sur le champ. Il ne peut dire que je dois rentrer à la maison pour me préparer. Il faut être toujours prêt physiquement et mentalement. Farasat Umar, qui est un missionnaire aux États-Unis, déclare quant à lui : lorsque j'ai été interviewé à la Jamia, Mahdi Saab m'a posé la question suivante : si on vous envoie en Afrique comme missionnaire et que vous subissez de l'opposition là-bas de la part des habitants de ce pays, qui allez-vous contacter en premier ? Votre mère ou le calife ? Après réflexion, j'ai répondu « le calife ». Sur ce, Mahdi Saab a déclaré que « je vous recommande pour être admis à la Jamia sur cette base » et c'était là la bonne réponse. Le colonel Dirda Saab est le secrétaire de la Mission House. Il déclare que l'esprit de l'obéissance au calife était évident chez Nassim Mahdi. L'un des accomplissements du défunt était la création du Peace Village. À l'époque, la propriétaire des terres agricoles adjacentes de la mosquée se plaignait chaque année lors de la Jalsa Salana qu'elle était dérangée par le bruit de la Jalsa Salana et par l'odeur qu'émanaient les cuisines de la communauté. Et après quelque temps, l'État a zoné cette terre agricole et l'a convertie en zone résidentielle. Nassim Mahdi Saab était inquiet suite à cette décision, en se disant qu'auparavant, cette seule propriétaire nous dérangeait. Étant donné qu'il y aura maintenant un plus grand nombre de résidents, notre vie sera encore plus difficile. En ces circonstances, à l'occasion de la Eid, un jour, il a présenté un plan aux membres de la Jamaat, leur demandant de construire des maisons pour des Ahmadis ici sur ce terrain et que les Ahmadis achètent ce terrain. Et les membres de la Jamaat ont répondu à l'affirmative et par la grâce d'Allah, on a pu donc bâtir la Peace Village là-bas. Zishan Goraya Saab, qui est missionnaire, déclare « Le défunt a formé de nombreux jeunes. Aujourd'hui, c'est grâce à cette formation que nous sommes en mesure de servir en tant que missionnaires dans différents pays. Grâce à la formation que nous a impartie le défunt, nous avons appris à aimer le califat et nous avons vu grandir en nous l'obéissance envers le califat. » Asif Khan Saab, le secrétaire aux affaires externes de la Jamaat du Canada, déclare « Je suis arrivé à Vaughan à l'âge de 13 ans. Il y avait environ une douzaine d'Ahmadis habitant autour de la Mission House à l'époque. Je connaissais très peu la Jamaat à l'époque. Mahdi Saab m'a traité comme son fils et il est devenu mon professeur. En jouant au basketball, il nous a enseigné c'est quoi la Jamaat. Et quand j'ai atteint l'âge de la maturité, il m'a confié les travaux de la Jamaat pour assurer la liaison avec différents politiciens. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, Asif Khan est en train d'accomplir un très bon travail. Il déclare, c'est le défunt qui m'a offert une bonne formation à cet égard. Mirza Maghfur Ahmad Saab, l'émir de la Jamaat des États-Unis, déclare quant à lui. En 2016, le défunt est venu servir aux États-Unis en tant que missionnaire en charge et émir adjoint. Il a accompli un excellent travail aux États-Unis et il a entrepris des tournées dans différents États. Et il a rendu efficace le travail dans le domaine du tablir lors de ses visites dans ces différents États. Au cours de cette période, le défunt a pu diffuser le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux États-Unis à travers les médias et à travers diverses campagnes. Il a pu aussi fonder une mission au Mexique à la lumière des directives du centre. Wasim Seyed Saheb, le secrétaire de la prédication aux États-Unis, déclare « Le défunt avait établi une relation affectueuse avec tout le monde. Il faisait le premier pas à cet égard. » Et il avait ce grand don de mettre tout le monde au service de l'islam. Après son arrivée aux États-Unis,
Il a fait de la commémoration annuelle des attentats du 11 septembre un moyen efficace pour diffuser les enseignements de l'islam. Il a lancé différentes campagnes lors de son séjour aux États-Unis. Il y avait par exemple la campagne Muslim for Life, Mohammed le messager de la paix, et une campagne sur la vie du saint prophète Mohammed Bissos à lui. Il y a eu des conférences dans 56 universités des États-Unis à ce propos. On offrait l'ouvrage « La vie de Mohammed » à ceux qui avaient assisté à ces conférences. Il a également lancé une campagne sur la loyauté des musulmans. Et il a tenu des conférences dans diverses universités. Il a tenu des réunions avec les gouvernements locaux et il a mis en lumière les enseignements de l'islam. Lors de la Jalsa Salana, feu le troisième calife avait évoqué le défunt dans un de ses discours. Il a mentionné les efforts de Mehdi Saab sur la distribution des dépliants de la Jamaat en Suisse. Il a déclaré que les fermiers habitant les montagnes suisses comprennent trois groupes d'individus. La langue de ces trois groupes est différente. Ils sont environ 28 000. Où ils sont moins de 28 000. En tout cas, par hasard, 28 000 dépliants ont été publiés et Nassim Mehdi Saab, qu'Allah le récompense, après m'avoir consulté, a livré 8 000 dépliants dans chaque maison. Cela a fait beaucoup de bruit là-bas. Et deux journaux ont écrit de vives critiques à cet égard. J'ai dit que de bonnes prières ont été faites en sa faveur et que des centaines de milliers de dépliants ont été distribués. Il s'agissait d'un bref rapport présenté par feu le troisième calife lors de la Jalsa Salana. Qu'Allah accorde son pardon au défunt et qu'il exalte son rang et qu'il lui accorde une place parmi ses proches. Que Dieu accorde patience et courage à ses enfants ainsi qu'à son épouse et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Le défunt a mené une vie de fidélité et de loyauté, que ses enfants en fassent de même. Le prochain défunt se nomme Mohamed Ahmad Sharam de Rabwa. Il s'agit d'un jeune âgé de 16 ans qui est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était un jeune fidèle du califat. Il était toujours de bonne humeur. Il était aimé de tous. Il participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat et il s'impliquait régulièrement dans les programmes de la Jamaat et des organisations auxiliaires. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il avait fait son testament à cet âge-là. Ses proches comprennent ses deux parents et deux sœurs, qu'Allah leur accorde patience et courage. La troisième défunte est Mukarrama Salima Kamar Sahiba, épouse de feu Rachid Ahmed Saheb. Elle est décédée le 16 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par Maulvi Waziruddin Saab, Namakirian, le grand-père maternel de son père qui se nommait Chaudhry Muhammad Siddiq. Maulvi Waziruddin Saab était un compagnon du Messie premier d'Islam et il était maître d'école à Kangra. Le père de la défunte, Chaudhry Muhammad Siddiq Saheb, Maulvi Fazil, était un grand responsable de la communauté. Il a servi longtemps comme responsable de la Khilafat Library. Il a également eu le privilège de servir pendant longtemps en tant que Sadar Amoumi de Rabwa. Suite aux instructions du deuxième calife, Maulvi Saheb, le père de Salima Kamar Saheba, a également eu le privilège de planter la toute première tente à l'occasion de la fondation de Rabwa et d'y passer la première nuit. La défunte a fait ses études élémentaires à Rabwa et elle a eu une maîtrise en arabe de la Talim al-Islam College. Elle a servi dans différents départements pendant une longue période. De 1972 à 1982, elle a occupé le poste de secrétaire général de la Lajna Imaïla Mokrabi. De 1982 à 1987, elle a travaillé comme bibliothécaire à la bibliothèque Amtul Hay.
Pendant 31 ans, soit de 1987 à 2018, elle a servi de rédactrice en chef du magazine Misbah, période pendant laquelle elle a très bien géré ce magazine, et ce, malgré les conditions défavorables. La défunte avait une nature très vertueuse, elle était dévote, elle était très simple. Elle était régulière dans ses prières de tahajjud et dans d'autres prières nawafil, comme les prières du chast et d'ishraq. Elle était très sincère et loyale envers le califat de la Jamaat Ahmadiyya. La prière était importante dans tous les aspects de sa vie. Elle était une dame aux qualités d'ange. Elle faisait preuve de beaucoup d'amour et d'affection à l'égard de tout le monde et elle ne s'était jamais fâchée contre personne. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah élève son rang et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر